Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je suis dans la voiture avec Monsieur et vous voyez là il y a le magasin Cultura. Du coup je viens ouvrir pour vous montrer, mais là on doit attendre parce qu'il ouvre à 9h et il est 8h et quelque chose je pense. 8h30 seulement, on est une demi-heure à l'avance. Voilà, du coup je viens vous faire l'ouverture et je vous reprendrai dans le magasin. Parce que monsieur il a gardé son masque, il a été voir l'heure et du coup il a gardé son masque. Je vous laisse.
Voilà, on vient de sortir de Cultura, on a fait nos achats. Je vous montrer dès que je rentre à la maison. Monsieur a fait plus que moi. Voilà, et il est super le magasin et les personnes sont au top. Et toi? Ouais, pareil. Voilà, on vous laisse et je vous montre tout ça en rentrant. Je suis arrivée à la maison et je vais vous montrer nos achats. Bon, on n'a pas fait de grande folie, enfin plus monsieur que moi. Du coup, monsieur s'est pris la box reine de glace, le coffret dresseur d'élite, voilà. Le deuxième, il a pris un bleu et un mauve. On voit pas trop les couleurs. Un petit peu plus comme ça, voilà. Et moi, je me suis pris trois livres que je ne trouvais pas ailleurs. Du coup, je les ai pris. Je me suis pris jamais plus de Colleen Hoover. Voilà. Chez Hugo, dans la collection Nous Romance. Je ne vous parle pas de résumé. J'ai pas envie là maintenant. Voilà. Le deuxième, c'est les voleurs de baisers de chez Hugo, toujours dans la collection Romance. Nous Romance. Voilà. Je ne les ai trouvés pas ailleurs. Du coup, je les ai pris. Et j'ai pris aussi Tolaté de Colleen Hoover. C'est toujours chez Hugo dans la collection Roman. Nous Roman. Voilà pour les petits achats de Cultura. C'est pas. Voilà. Voilà pour ça. On n'a rien. Le magasin est très chouette, très bien. Agencé, il y a tout ce qu'il faut et des éditions qu'on n'a pas ailleurs et que là-bas ils ont, enfin pas ceux-là mais d'autres collections que vous verrez dans la vidéo avant, vous verrez les images, enfin vous aurez vu les images, il y a plein de livres, plein de choses, plein de trucs de bricolage, il y a pour faire les bougies, il y a les coloriages, il y a la pâte Fimo, il y a un rayon un peu musique que j'ai pas trop filmé là-dedans parce que voilà, je n'ai pas j'ai pas besoin d'aller. Il y a les cartes Pokémon, il y a les jeux vidéo, il y a de tout, la jeunesse en livre, plein de choses trop chouettes. On est très contents d'avoir un Cultura ici. Et monsieur, il se cache. Il ne veut pas se montrer. Enfin, vous l'aurez vu dans la vidéo, quelques images de lui. Voilà. Et là, nous, on va manger. Il va être 11h, mais on a faim. Du coup, on va manger. On va se faire, j'allais dire pain perdu, mais non, des croque-monsieur. Du coup, voilà. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu de la découverte de Cultura. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.